Sorti de l'embarcadère, j'ai dû prendre un taxi pour me rendre à la gare de Jigensor. Le but de mon voyage en réalité, c'est pour aller assister pour la première fois à la fête du roi, communément appelée le Humobel. Le Humobel est une fête annuelle organisée par le roi pour toute la communauté d'Usui. C'est donc des moments de partage, de communion et de célébration. C'est la première fois que j'ai enfin réussi à m'y rendre sur l'invitation de mes voisins, chez qui je vais loger pendant 3 jours. Donc, venez avec moi, on va aller assister à la fête du roi, le Humobel, dans le département d'Usui. Acha Nyudam. Thank you.
Fan lay tok? Yeah. Allo grand. Na bam ko fi tok? Hein? Ya fay. Grand alors? Mo do we? Def jam. Xamé na la de. Na ko xamé na la de. Nan lañuy wacce li affaire bi OK Ada musim ngai dah. Luar nak kasih kanal dia. Musim. Kanal untuk korang. Bob bob bang. Jalan jalan Norin. Salah jalan benar tu. Adi pan. Sion mengai wah cuma lah musim. Musim lah wah cuma. Ah okay. Sion. Ah? Orang musim lah. Ah okay. Man ma tok fi quoi ma ron la ndax day wacc yoon bi comme ça wa wa ñu bañ bu ñu yegge bitiku so rek ma wacc am problème ben la bo ñu ko défé ré mëna wacc yegal ka yegal non mais haara fess na ni dess na no wala dess na baye ma taxaw ci biti tuti ané pas ma dëgël bi ci nga né 1000 naka 205 naka kay kay Parlant du Humobol, la fête du roi, je pense que on peut aussi en profiter pour parler du royaume d'Usui en tant que tel. La ville d'Usui dans sa délimitation actuelle n'existe que depuis 1960. Auparavant, elle faisait partie d'une entité nommée Ulouf. La ville est le centre du royaume d'Usui. Elle constitue un carrefour stratégique pour les sites balnéaires et économiques du département. La ville a eu comme premier maire Edouard Diatta, auquel succède Victor Diatta, puis Lai Diop Diatta, avant Ousmane Agoulé Ben Djedjou, né en 1940, maire de Usui de 1978 à 1983. Sauf que pour lui, il a martelé l'histoire nationale et plus précisément l'histoire de l'opposition politique du Sénégal dans un contexte où la démocratie, ou en tout cas ses champs de manœuvre laissaient à désirer. Il fut donc le premier maire libéral du Sénégal indépendant. Son parcours fut très limité malgré son influence et ses capacités reconnues de mobilisateur. En effet, les élections qui se succédèrent à son mandat furent boycottées par son courant de pensée politique, le PDS. Géographiquement, les localités les plus proches sont Loudiawolof, Hukout, Kalobone, Ségalène, Kahinda, Edjungu, Djent, Kalounat et Signana dans le secteur de Eyoum. La population. Lors du recensement de 2002, Usui comptait 4052 habitants, 621 ménages et 466 concessions. Fin 2007, selon les estimations officielles, la population de la commune s'élèverait à 4239 personnes. Les activités économiques.
Située au cœur du département le plus traditionnel de la Casamance, Oussouy bénéficie de sa situation de carrefour qui en fait un lieu privilégié pour aller en direction du Mlomb, Elenkine, Karabane ou en direction de Capscreen ou de Ziguinchor. Oussouy compte 5 campements touristiques et une agence de loisirs sportifs et de découvertes. On y développe des activités telles que les randonnées, VTT, les promenades à pied ou en kayak. Le campement villageois Sibendou a été ouvert en 1982. Et là, l'architecture traditionnelle des maisons à étage que l'on trouve par exemple à Mlomb. Situé à proximité de la ville de Parc National de Basse-Casamance, accueillait nombre de visiteurs, mais il est fermé depuis quelques années. Alors, ça va? Qui là, madame? Cœur chef Théophile, Bouenten. Bouenten, chef cœur Théophile. Ah. Arlem, comment là? Chef, Théophile, Théophile. Ah bon? 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 Dom bon? Ah 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 Pad. Valère, Valère. Valère. Valère Diata, wa. Dom. Donc on est arrivé à Oussouy, j'ai un peu galéré pour retrouver en tout cas mon domicile. Et pourtant mon hôte m'a assuré que Oussouy est une très petite ville, que tout le monde se connaît. Il suffit de filer son nom au moto-taximan et ils vont m'emmener jusqu'à chez lui. Mais malheureusement, ça n'a pas été aussi facile que ça. Donc, puisque j'ai dû appeler à plusieurs reprises pour qu'on m'explique le lieu. Et j'ai passé le téléphone au moto-taximan pour qu'on lui explique à lui-même.
mais malheureusement il connaissait pas la personne en question, donc il fallait appeler le cousin de mon hôte pour qu'il me donne, il me demande de filer le, de leur filer le nom du petit frère de, du gars qui est censé venir me chercher. Donc c'est en donnant le nom de ce gars que le taximan s'est retrouvé et m'a demandé de monter. On est parti à la maison. Donc, mais il a fallu attendre au minimum 30 minutes pour... Non, c'est le chef, tout ça, j'ai appelé Laurent. C'est lui qui a expliqué pharmacie, machin, tout ça là. Et le gars, il est venu me sauver. Sinon, j'allais rester là-bas. Et puis toi, tu te permets de te laver quoi, c'est quoi ton problème? Je me lave, ok, grand, merci. Hein. J'appelle le gosse, prends le téléphone, je me dis sango. Pourquoi tu n'es pas descendu à Garaba? Pourquoi tu n'as pas appelé? Quand tu as fini de sango là? Non, on m'a rien dit. Moi, le téléphone, je ne savais même pas qui a gâté. Le boy qui a pris le téléphone là, il t'a rien dit. Il n'a rien dit. Voilà, Mangini, Yexina, Mangi Ker Angil. Hey, Mandegal Manan Ker Angil. Tonton Valère. Voilà, maangi reuy nice ma di xaar ki bi mo tuddu la fête du roi qui va commencer demain inshallah. Si mo paré je veux faire les îles aussi, les îles là inshallah, je vais partir dans les îles. Oui. Alors, c'est déménager ici. Tu disais quoi? Attends la photo. Non mais c'est pas une photo, hein. Raconte. Attends, après on va les tromper banane pour leur dire que ici c'est la brousse. Là où il y a la on va tromper qui? Tes amis? Quel ami? Tu n'as pas d'amis. Non mais donc on va le tromper pour leur dire où non, c'est la brousse ici. Là, oui. Pour leur dire qu'ici c'est la brousse. Oui. Pourquoi on va les tromper? Il est arrivé. Mais c'est une blague. Ah, ok, une blague. Et mes amis ils savent que voilà, je ne suis pas dans une brousse. Je leur ai dit que je viens à Ossouï. Donc, je ne peux pas les tromper. Donc, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on dit? D'accord, on ne trompe pas. Non, on trouve une autre blague. Peut-être qu'ils peuvent croire, à un moment, n'est-ce pas? Donc tu trouves une autre blague.